On va parler de don. Faire un don, hein, de rein à un proche, c'est en soi un geste qui est hautement généreux. Alors, imaginez ce que ça peut représenter que faire ce don à une personne qui vous est totalement étrangère. C'est exactement ce qui unit désormais deux hommes qui habitent à 500 km de distance. Le 11 décembre dernier, à Québec, l'un a sauvé la vie de l'autre. André Martin. En mars, j'ai eu un ange qui est apparu, qui m'a annoncé que... Emmanuel voulait me donner un rein. Il y a quelques mois à peine, Frédéric et Emmanuel ne se connaissaient pas. L'un habite à Trois-Rivières, l'autre à Matane. Pourtant, quelque chose les unit désormais pour la vie. Frédéric porte en lui le rein d'Emmanuel, une greffe totalement altruiste. C'est Fred 2.0, c'est ma vie 2.0, la famille 2.0. Tout va changer. Nous les rencontrons 48 heures après l'opération. Frédéric cherche encore ses mots pour témoigner de sa gratitude. C'est un geste plus grand, c'est grand que grand, c'est de donner la vie, prolonger la vie. Il y a plein de choses que je vais pouvoir faire maintenant que je faisais pas, que je faisais plus. Tu sais, je faisais beaucoup de sport, j'étais actif, j'ai trois ados, on a une vie familiale qui n'arrête pas. Je gère une compagnie. Ma vie était vraiment sur pause, là, à me brancher 10 heures par nuit sur un cycleur pour me filtrer. Frédéric Marchand avait 20 ans quand il a su qu'il souffrait de polykystose rénale. L'année 2023 a été marquée par le début de l'hémodialyse, le retrait d'un rein et l'espoir de trouver un donneur. Un souhait formulé sur Facebook qui s'est rendu jusqu'à Emmanuel Derrieux. Ce message est venu me... C'est venu me chercher. Les deux hommes entrent en contact. La magie opère. J'avais commencé le processus de don pour une autre personne qui, elle, a été greffée entre-temps. Et puis j'avais arrêté, mais j'avais... Dans un petit coin de la tête, je m'étais dit j'ai commencé quelque chose, puis j'ai l'impression de ne pas l'avoir fini. Donc, comme j'aime bien finir ce que je commence, j'ai répondu à son appel, mais on a eu, tu sais, il dit un ange gardien, mais on a eu énormément de chance. Au niveau génétique, on a des gènes communs. Sa néphrologue disait qu'on était des jumeaux cosmiques. Donc, tu sais, sans se connaître, je suis tombé sur la bonne personne, puis, et vice-versa. Le processus qui mène à la greffe est long et rigoureux. On fait une évaluation qui est vraiment, qui est très minutieuse. On fait passer une batterie de tests qui s'échelonne sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis quand on est considéré en bonne santé par l'équipe de transplantation, bien, on peut donner un rein. Puis on peut le donner à quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi. Là. Des fois, juste avoir l'envie de faire quelque chose de généreux et d'altruiste. L'Hôtel-Dieu de Québec procède en moyenne à 80 greffes de reins par année. 20 % sont des dons vivants. On voudrait que ça soit 50 % de nos transplantations parce que c'est la meilleure solution pour les patients. Une greffe, c'est ce qu'on veut quand ils sont en dialyse, pour les sortir de dialyse, pour leur donner une nouvelle vie. Mais une greffe de dons vivants, c'est encore mieux, les résultats sont encore meilleurs. Donc, c'est ça qu'on souhaite aux patients. Puis comme on a une pénurie d'organes, bien, c'est la façon de greffer les gens rapidement puis de trouver une façon de greffer tout le monde, c'est avec les dons vivants. Je continue ma vie comme je la faisais avant. Moi, ça ne change absolument rien. Donc, c'est tout bénéfice pour lui. Puis moi, je perds rien. Qu'est-ce que vous gagnez? La fierté d'avoir fait... quelque chose de beau. Puisque les deux hommes gagnent aussi quelque chose qui ne s'achète pas, l'amitié. C'est sûr qu'on reste en contact et puis de voir quand il va me dire bon, tiens, j'ai refait ça que je faisais plus. Puis on va se revoir, on va aux îles de la Madeleine au mois de juillet. Le fait de changer la vie de quelqu'un et puis de développer une belle amitié comme ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous? Joyeux Noël. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.